Chalalalala, oh my, oh my, de timide. Vas-y, on bosse là. C'est ok, c'est bon, elle semble s'être rapprochée pour ça. Asagina-san. Asagina-san. Et à ce moment-là, il se réveille, c'était un rêve. je mets mes mains voilà, autour des joues et tout de Taina, j'ai bougé mon visage proche d'elle. C'était quoi ce bruit? Regarde, con! Ah, ça. C'est pas un bateau à l'horizon? Et je regarde dans la même direction d'Anna et j'ai vu ce qui semblait être l'ombre d'un bateau à la distance. Aidez-nous! Ah, si nous débrouillons bien, ils vont réaliser qu'on est là, ils vont nous sauver. Ah, il faut bouger. On fait la danse du Kambala Mungalu. Alors, hey, on est désolé pour les hommes, mais venez nous aider. Quelque chose à propos de ça ne semblait pas être juste, mais aussi long que je pouvais entendre quelque chose, ça semblait à un bateau. Ah, ce bateau. L'ombre du bateau semble devenir plus gros. Ouais. Non, c'est pas l'ombre d'un bateau. C'est l'ombre d'une claque. Je sais pas où. Oh, c'est bien un crack en ciel. C'est juste ce qui s'était passé à l'époque quand Kozumi a été pris à l'intérieur de l'espace clos. Ouais, le craquement devient plus gros, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller bien, je suis sûr de ça, tout va bien. On a même pas eu le bisou. Je suis. Ah bah c'est triste. Je vous ai empêché de vous embrasser. J'ai ouvert les yeux, c'était ce connard de Kozumi, comme d'habitude, prétentieux et tout. Hein. Je pense que ça serait plus approprié de dire que je suis de retour. Hein. Ah là là, je, comme tu peux le voir, j'ai réussi à revenir ici en sécurité. Ouais, j'ai fait ça. Quoi, donc j'ai fait réussir à faire un truc. À faire retour à la normale, ouais, c'est le cas, ouais. T'es celui qui m'a sauvé? Je peux pas dire que j'ai fait ça seul, l'organisation a coopéré avec moi. Ah, donc cette fois-ci, c'est pas Tsuruya qui a aidé le truc, c'est Koizumi, il a vraiment fait de son côté. Hein. Bon, moi je devrais te remercier. Ouais, c'est bon. Et dis à l'organisation merci aussi, et je leur enverrai des crêpes. Pas besoin de remercier. Quand toi, ouais, pas besoin de remercier, quand toi et Adaina étaient ses seuls, il y avait un changement ici aussi. Changement. L'espace clos scellé a été dissous et devenu un normal, un espace clos normal. Grâce à ça, l'organisation était capable de pénétrer ici avec mon support. C'est pour ça que ce serait... Je pensais que je serais capable de te sauver plus tôt, mais la procédure a pris un peu, voilà, un petit peu de temps, ouais, les passes clos, ouais, ça a mis du temps et tout. T'aurais pas pu prendre un peu plus de temps? Le temps du bisou, au moins. Tu semblais t'amuser sur cette île inhabitée. Tu regrettes pas qu'on ait interféré? Je pourrais pas dire ça. Ah, c'est bien. Ouais, c'est ça. T'as vu que j'allais essayer de la pécho, connard. Oh, fils de pute. L'enfoiré.
Je suppose que je suis content d'être seul sur cette île avec Alina, mais au moins, je suis pas un enfoiré, un crétin comme toi où t'as une couche. Pourquoi exactement l'espace closé s'est dissous? C'est quelque chose que t'as fait toi? Dans un changement à occuper le mental de Suzumiya. Ah donc le truc de... Putain, c'est les supérieurs, ils avaient deviné. On va leur faire avoir des problèmes, ça va tout régler. C'est après que t'aies joué au poker avec Zalina, il y a quelque chose à faire avec la règle étrange qui a été inclue. Comment est-ce que tu connais Robonoise? T'avais pas une sorte de caméra de surveillance sur le club, hein? Je crois qu'il y a encore plein de choses que je connais pas à propos de toi, dans tous les cas. Ouais, retournons un point dans la main. Ce jeu de poker a causé une querelle entre toi et Suzumiya, je crois que c'est ce qui a causé le changement dans l'espace. Tu crois que Haruhi a altéré l'espace clos parce qu'elle avait besoin de moi seul avec Azaina? Ouais, tu as été précédemment seul avec Suzumiya, hein. Je crois que c'est similaire ce qui est arrivé là. Mais tu n'avais pas pu utiliser les mêmes pouvoirs que normalement tu peux faire dans un espace clos, n'est-ce pas? Dis-moi comment t'as pu nous sauver. C'était très similaire à ce que j'avais. Comment je faisais avant, mais l'espace clos était encore différent de ce que c'était d'habituel. Peut-être que le meilleur moyen de dire ça, c'était dû au changement de l'état mental de Suzumiya. Toi et moi, que nous avons passé depuis que nous sommes rencontrés, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, la compétition de baseball, le camp d'été, parce que c'est vrai que l'autre truc c'était au tout début. Hein. Et pas juste l'été, nous avons partagé plein de souvenirs, n'est-ce pas? Le film était assez difficile à compléter, mais je pourrais pas exagérer pour clamer que le bon entre nous était plus dur à 7 ans. Bah, tu peux résumer ce que vous avez à me dire là? Ah, s'il te plaît, excuse-moi. Moi et ça. Nos expériences passées à cause de Suzumiya a vraiment croire en nous, hein, de mettre notre confiance en nous. Voilà. En d'autres mots, elle a vraiment commencé à penser que nous étions des amis. C'est la liaison. Suzumiya a noté la liaison se formant entre toi et Azaina. Il a été dérangé par ça, ça a causé la querelle et fait mettre vous deux loin ensemble. Putain, il y a plein de façons de niquer le truc, hein. Soit la mini Haruhi, soit c'est Tsuruya qui fait des bons petits plats, soit c'est on énerve Haruhi avec en pelotant Ina. Ouais, non. L'espace clos scellé, donc, qui existait jusqu'alors, a été banni. Je suppose que c'est son énervement qui a été la clé de ça. Surprendre Zaina pour changer ses vêtements a vraiment fait Haruhi aussi. Je crois que tu connais déjà la réponse à ça. Et
et tu joues, tu essaies de jouer débile, mais bon, je vais répondre à ta question dans tous les cas, je referai la question. Voilà, donc Suzumiya a peut-être essayé de te mettre dans un espace clos, en dehors de l'espace clos avec colère. Mais dans d'autres mots, je pense que ça a été causé parce que ça a été fait parce qu'elle croyait en toi. Du temps a passé, elle s'est calmée quand elle agit. Je pense croire qu'elle agit vraiment en bonne foi. En résultat, le pouvoir de l'espace clos s'est affaibli. On a été capable d'y aller. Est-ce que t'as vraiment besoin de dire ça? Ça semble comme si vous êtes, c'est vous qui avez fait ça, ce que vous voulez, de tout le long. Hein. Tu as raison, c'est mon entière spéculation toutefois, je suis toujours confiant que c'est la vérité. Hein. J'ai regardé Suzumiya assez longtemps que j'ai regardé toi après tout. Hein. Ah, donc c'est ça. Et puis, je pense que nous pouvons nous arrêter maintenant, partir avec ça. Tout est dû à la personne qui vous a demandé à toi et à Zaina de jouer au, ce jeu de poker, et je pense que je ne suis pas vraiment sûr de qui cette personne est. Je pense qu'ils ont anticipé ce que ça irait dans ce côté-là. Bien sûr, c'est un peu ma propre spéculation. Quoi. Elle a dit qu'elle avait trouvé la lettre dans son placard chaussures. Elle a aussi une lettre placée dans mon propre truc deux fois avant. On rappelle, la première était de Ryoko. Asakura, ça m'a presque coûté la vie. Ah, Ryoko, c'est bien de la mentionner un peu. Et la seconde, c'était d'Azaina, mais ouais, celle du futur, la version grandie. Est-ce qu'elle a eu un rôle à jouer aussi? Ouais, c'était la grenouille. Salut, Kyo. Moi, le boulot que t'as fait sur le film. Et j'ai rien branlé, j'étais en train de... J'ai failli embrasser Azaina. Ah oh, putain, mais c'est nul. Ah oh, mince, le film n'est pas encore fait. Tu plaisantes, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais me concentrer là pour qu'elle soit finie à temps pour le festival. Non, t'inquiète pas. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que toute la nuit t'as rendu fou? Le festival est aujourd'hui. Je regardais Koizumi en choc. Il m'a regardé, voilà, avec son petit sourire, voilà, doucement, voilà, et ça a dépassé mes doutes. Montre-moi jusqu'à t'as réussi à faire. Elle a approché l'ordinateur. Jouer l'édition partielle du film. C'est dommage que le film soit pas fini, mais je suis content qu'on soit en dehors de cette boucle temporelle, quel changement. Ah, tu as fait un bon job, hein, notamment l'opening titre, hein, voilà. Ah, tu as dû travailler dur sur ça. Ouais, quoi, le titre d'ouverture, mais je me rappelle même pas avoir travaillé sur ça. Ah, c'est
Quelque chose de bizarre s'est passé. Un film en CGI, voilà. C'est joué, j'avais aucun souvenir d'avoir fait ça pour le titre. En même temps, la chanson d'Azalina a commencé à jouer. Le tir, voilà, le shot beam de ses yeux, les effets étaient tous en place, mais j'avais aucun souvenir que ça avait été inclus, les effets. Voilà, j'ai regardé Kozumi, tu sais, un regard pour voir est-ce que c'est toi qui as fait, mais pas vraiment de confirmation, de nier. Ah, il a juste faiblement dit, bon, au moins c'est fait, n'est-ce pas hein? Après avoir un peu regardé, il semble que le film a été entièrement monté. Mais qui a fait ça? C'est l'heure de enquêter. Mon travail, je suis sûr qu'il y a encore certaines parties où tu dois travailler un peu plus, mais allez, vas-y, repose-toi un peu, le festival est aujourd'hui après tout. Je serais capable de mettre sur un DVD. Bien joué. Oh, merci. Ah oui, je devrais traiter la brigade SOS pour, on va dire, un fond d'écran, voilà, avancer, voilà, le truc. Est-ce que Yuki et Miku, ils sont? Ils sont dans leur classe. Je vais les appeler. On va aller dans le truc d'audiovisuel, la pièce audiovisuelle. Ouais, je vais aller chercher Nagato, je te demande de chercher Azalina, bien sûr, ouais. On va se marrer. C'est toujours les mêmes élèves, hein. Oui, c'est moi. Le baiser? Quoi, qu'est-ce que tu me touches? N'ouvre pas ma braguette. Arrête, ne touche pas ma braguette. Je suis content, nous avons réussi, n'est-ce pas? Quand je me suis réveillé, j'étais dans la salle de classe et tout le monde était là. Je savais juste qu'aujourd'hui c'était le jour du festival culturel. Azalina, tout le monde nous regarde. Arrête de me tripoter. J'ai été capable d'obtenir ici en touche avec le futur, mes supérieurs. Et... Ah, ils m'ont félicité, ils ont dit que j'avais fait un bon boulot. Ouais, si tu le dis. Je savais pas que jouer au poker. J'ai jamais vraiment fait poker avec toi, mais je pensais que c'était vraiment le truc, mais. Que je me dis que c'est ce qui a fait qu'on est de retour dans la réalité. Donc cette chose et l'autre qui sont hors limite, voilà, elles ont dû être faites. Ah, je suis pas sûr pourquoi, mais bon. Pourquoi tu ne demandes pas à propos de ça la prochaine fois que tu obtiens contact? Je suis sûr qu'il serait capable de m'en dire plus. Je suis content d'avoir pu aider. C'est tout. J'espère que tu arriveras à garder du bon boulot à partir de maintenant aussi. En fait, tu pourrais t'éloigner un peu de moi. Je suis désolé, j'étais juste. Ah, mon Dieu, mais j'ai attrapé le moment. Comment t'as pu attraper? Ça s'attrape pas.
Oh non, bah, si on n'avait pas plein de gens qui nous regarderaient, moi j'aurais rien dit, je t'aurais juste... Kyon, merci pour tout ce que tu m'as fait et tout, hein. Voilà, tu as toujours pu m'aider et tout, et j'espère que tu continueras à m'aider dans le futur. J'ai pas lui baiser. Je dirais pas ça du tout. Au fait, tu n'as pas dit que tu voudrais qu'on reste ensemble, voilà, tous les deux, hein, sur cette île déserte. Oh, oui. C'est parce que j'aurais pensé que j'aurais fait ça. Ouais. Juste oublie à propos de ça, s'il te plaît. D'accord, ouais, bien sûr, tu vois. Je vais m'en rappeler pour le reste de ma vie, Zaina. Et ce qu'il y a à propos du montage du film, c'est nickel. Ouais, bah, je pense que ça a l'air d'avoir été fait par un miracle et tout, et là je vais juste chercher ce que ça veut dire. Advanced Screening, c'est le fond d'écran, c'est le truc. Alors, si tu pouvais, voilà, dégager un dépistage préalable. C'est fini, bon boulot. Ah, tu as fait un bon boulot. Je sais pas qui c'est qui a fait un bon boulot sur ça exactement. Mais c'est fait, c'est ce qui importe. En fait, oui, il m'a demandé de t'amener avec. Je me sens un peu embarrassé, hein. Je pense à propos de moi-même dans le film. J'ai le sentiment que tu devrais... Allez, tu devrais en oublier. Et puis, c'est comme ça qu'on a réussi à arriver jusqu'au festival culturel. Quand je pense que comment tout est arrivé, tout ça en une seule journée, ça me fait sentir encore plus fatigué que je le suis déjà. Bon, pas. J'ai eu un super moment avec Azaina. Mais c'était rien, mais ordinaire. Hein. Et j'ai eu Haruhi qui m'a remercié sur ça. Je peux difficilement imaginer le regard sur la tête d'Azaina. Quand le film commence. Et que sa chanson commence à jouer. Ah putain, il faut que je regarde à propos de ça. C'est le générique? Ouais! Oh,
c'est quand même dommage qu'on ait pas pu l'embrasser. Je vais pleurer pour revoir les gens.